Showtime. Hey man, it's Kevin Smith, Silent Bob from all those terrible Jay and Silent Bob movies, and look what you're watching. Hello, I'm John McNaughton for Daily Movies. Ciao a tutti, sono Luigi Cozzi e state vedendo Daily Movies. Alors, identité. Bruno Forzani. Amer. L'étrange couleur. Pour Daily Movies. Bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de couverture du NIF 2014. Donc, on se réunit ici, minuit 35, on est un peu fatigué, c'est la fin du NIF, on commence à boire des coups et tout. Donc, on va vous parler de ce qu'on a aimé et moins aimé dans les journées de jeudi et vendredi avant la dernière journée de samedi demain. Donc voilà, alors dans les biens de ces deux derniers jours, donc on parle de jeudi et aujourd'hui vendredi, donc Monsoon Shootout de Amit Kumar, un film indien indépendant, donc pas du tout un Bollywood, hein, ça dure 1h30, 1h40, pas plus. Un film dont je vais peu parler parce qu'il y a un artifice de mise en scène qui est très intéressant qu'il faut pas dévoiler pour garder la surprise aux gens qui voudraient le voir. Donc en fait c'est un policier, un jeune policier qui est embauché dans une brigade criminelle aux méthodes un petit peu expéditive, puis on va voir comment il va gérer ça. Donc une jolie réussite, un film indépendant assez bien fichu, mise en scène sympa, les twists intéressants et une fin complètement inattendue. Jean-Yves, toi t'as aimé? Alors moi c'est Tommy. C'est les petites norvégiennes qui te font kiffer toi. Ouais c'est ça, je sais que t'aimes bien les petites norvégiennes. Alors non, c'est la neige. Ah oui, ouais, il y avait de la neige. Ouais, beaucoup. Il y avait de la neige. Non, alors moi j'en sors de Tommy, c'était un peu le... J'avais le choix entre Monsoon Shootout, que Yamin vient de vous parler, ou Tommy. Et j'ai choisi Tommy et je ne suis pas déçu parce que c'est vraiment le polar sec qui me plaît beaucoup. Une ambiance très lourde. Et puis voilà, les Scandinaves sont très forts pour le polar, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Alors, un film que j'ai beaucoup aimé ces derniers jours, c'est le dernier film de Greg Araki qui s'appelle White Bird in a Blizzard. Et qui raconte l'histoire d'une adolescente qui a un peu des relations problématiques avec sa maman, puisqu'elle est au terme de son adolescence et sa mère n'accepte pas vraiment que sa fille devienne plus belle qu'elle, qu'elle devienne un peu une rivale. Et du jour au lendemain, la mère disparaît. Et du coup, cette fille va un peu enquêter sur la disparition de cette mère, cette disparition énigmatique. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve qu'Araki, une nouvelle fois, capte quelque chose sur l'adolescence de très sensible. C'est presque indescriptible la manière dont il le fait, mais je trouve qu'il arrive à capter une sensibilité qui me touche beaucoup. Shailene Woodley est remarquable et sa carrière prend un virage très intéressant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle fasse que des choses à la Divergente, etc. Mais non, là, elle va dans le film d'auteur et elle accède à la nudité frontale, ce qui est impressionnant. Il y a une très belle ambiance des années 80 avec une très bonne musique, du Depeche Mode, Joy Division, etc. J'ai trouvé le film envoûtant. Nat, je crois que tu as aussi mon avis. Je confirme, donc c'est un film qui je trouve très précieux parce qu'il capte justement... des relations, des personnages qui sont vraiment passionnantes et ça se repose pas sur un twist ou un retournement. Un film qui m'a extrêmement plu aujourd'hui et qui sera dans mon top 3, c'est Calvary de John Michael McDonagh. Ça raconte l'histoire d'un prêtre qui, pendant une confession, apprend qu'il va être tué la semaine suivante, donc il lui reste une semaine à vivre. Ce film est tout simplement un bijou d'écriture. Les dialogues sont extrêmement réussis et très drôles malgré l'aspect dramatique du film. Le prêtre va affronter ses démons internes durant toute une semaine. Ça va être son chemin de croix et c'est un film qui brille vraiment par son écriture et il sortira bientôt en salle, donc ne le loupez absolument pas. Live dans le saucisson, maintenant en plus de tout ce qu'on a aimé et pas aimé, on va aussi vous parler des top 3. Donc les trois films qu'on a le plus appréciés dans ce NIF 2014, qui était une cuvée moyenne, mais quand même, on est largement content d'être venu. Alors mon top 3 du NIF, une édition, comment dire, mitigée, cochon d'Inde, mais bon, enfin mitigée, zombie plutôt, castor zombie. Alors en numéro 3, je mettrais This Final Hours, parce que c'est un film qui m'a fait réfléchir après, même en étant sorti de la séance, on continue à réfléchir, donc quand un...
film vous poursuit, c'est bon signe. En numéro 2, je mettrais Young Detective D parce que c'était le gros film d'aventure très sympa de Chouard, qui est vraiment une très bonne séance. Et en number 1, The Raid 2, parce que moi j'adore les films d'action et là il y a une, on atteint une nouvelle couche dans la qualité des scènes d'action et c'était vraiment exceptionnel. Bon les gars, balancez votre top 3, et un vrai top 3, pas un top 5 ex-aequo. Merci. Alors mon vrai top 3, ça sera un top 6. Non, alors, What We Do in the Shadows, que je trouve très drôle, qui a rendu la salle hilar, c'était parfait. The Raid 2, pour toutes les raisons qu'on a données, c'est la nouvelle référence du film d'action, ça tabasse, c'est sec, parfait aussi. Ensuite, c'est là que ça se complique un peu, White Bird in a Blizzard de Greg Araki, pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure. White God, que je trouve aussi extrêmement intéressant et ça propose quelque chose de nouveau, et le fameux documentaire Beyond Clueless qui m'a rendu toute chose. Donc, pour ma part, White Bird in a Blizzard, comme l'a dit mon collègue, pour les mêmes raisons. En deuxième, This Final Hours, parce que ça m'a bouleversé, tout simplement. Voilà. Et en première place, It Follows, pour l'hommage au cinéma de John Carpenter qui m'a bien retourné. Et puis c'est tout. Et dans mes films préférés, Beyond Clueless, magnifique documentaire sur cinéma adolescent que vous devez tous voir. Notre top 3. Donc Jean-Yves, je te laisse commencer. Alors bon, moi j'aurais aimé avoir une trilogie White, mais j'en ai que deux. Donc le troisième, ça sera Raid 2. Alors j'aurais beaucoup aimé le faire en mention spéciale, mais comme on doit faire un top 3, donc ça sera mon troisième, le film d'action ultime. En deuxième, White Bird in the Blizzard de Greg Araki, qui m'a beaucoup touché. Et puis en premier, le White God, que je trouve magnifique. Et puis comme l'a dit tout à l'heure Thomas, c'est un film différent, et puis ça fait du bien, surtout quand on a vu beaucoup de films moyens. Alors ben moi mon top 3 était fait jusqu'à ce matin et ben c'est aujourd'hui qui est donc ce vendredi que c'était la meilleure journée du festival. Donc premier, ben ça ne change pas, c'est This Final Hours. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le film le plus émouvant et le film qui m'a le plus touché durant ce festival. Deuxième, et c'est là où ça se complique, ben deuxième, je mettrais Calvary, que j'ai vu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est simplement un bijou d'écriture. Et troisième, ben, là j'en mettrais plein en égalité, mais si je dois en sortir un, c'est Der Samurai, tout simplement pour l'idée de base qui est géniale et pour le soin apporté à la photographie. Je ne mets absolument pas dans ce top 3 de Raid 2, mais qui moi explose de toute façon ce top 3. Je l'ai vu avant le festival et c'est pour moi le meilleur film sûrement que j'aurais vu cette année. Il réinvente c'est le nouveau standard des films d'action. Voilà, c'est la fin. This is the end. My only friend. Un gros bisou à nos femmes qui ont eu la gentillesse de nous laisser passer une semaine loin d'elles à s'occuper des gosses pendant qu'on se bourre la gueule, on mange des saloperies et qu'on regarde plein de films. Ouais. Bisous. Ah, merci. Merci Sarah, merci beaucoup. Erika. Merci de nous supporter quand on va rentrer vu l'ampleur de sommeil qu'on a eu. Merci beaucoup. Et merci aux quelques 3 ou 4 personnes qui ont regardé cette vidéo. Et à l'année prochaine, si on est toujours là. Merci à tout le monde.